rassembler. En vidéo après. Je suis euphorique. Pour être honnête, je me sens aussi un peu raciste. Pourquoi des gens qui ont des religions, je déteste les musulmans. Now I'm racist. It's okay, guys. I'm just kidding. I'm even more racist. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir. Vive l'Amérique. J'ai gagné 30 euros en seulement un mois. C'est un portail qui mène à un autre monde. Vive l'Amérique. Now I'm euphorique. Spike, tu t'es transformé en musulman. Aujourd'hui, c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous allons parler du travail. C'est un sujet sérieux, surtout en cette période de crise et de doute. Et bien pour évoquer ce sujet sérieux, surtout en cette période de crise et de doute, et bien j'ai invité un invité. Allez, se lève. Bonjour. Bonjour. Ici Alexander. Vous êtes expert en travail et vous venez publier Les Gamers, c'est feignasse. Et c'est édité aux Presses Universitaires de Toulouse. Oh, ça va. Pas la peine de spammer pour dire rien. Alors dans ce gros volume, vous défendez la thèse selon laquelle le jeu serait une activité nocive pour la société tout entière, c'est ça? Ouais. Et vous dites notamment que les gamers sont des feignants. Non mais oui, je déteste ce truc-là. Ouais, je déteste. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une solution pour sortir de la crise? Je crois que Black Booper, il serait temps qu'il apprenne à se servir de Vegas, hein, parce que là, sérieusement, c'est pourri. Hein.